Chers collègues, je vous propose de rejoindre vos places, s'il vous plaît, afin que je puisse ouvrir notre séance. Chers collègues, merci de rejoindre vos places, s'il vous plaît. Chers collègues, merci de rejoindre vos places, s'il vous plaît. Ah, j'ai un écho. Je pense qu'ils ont ouvert la vidéo, à mon avis. Merci donc de rejoindre vos places afin que nous puissions donc ouvrir notre nouvelle session. Je déclare cette séance ouverte. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle session. Avant d'engager mon discours, vous avez dû être informé du décès de notre ancien collègue Alain Gérard, maire de Val-et-Châtillon, de 1985 à 2007 et ancien conseiller général et vice-président. Alain Gérard, maire de Val-et-Châtillon, de 1985 à 2007 et ancien conseiller général et vice-président. Alain Gérard, maire de Val-et-Châtillon. De Monsieur Gérard, je vous invite, chers collègues, à respecter une minute de silence. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Chers collègues, je débuterai mon propos par des mots qui ne sont pas les miens, mais que je fais miens. Chers collègues, voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli? Est-ce que le progrès de la science n'est pas précisément de barrer la route à l'échec, de faire échec à l'échec, de réparer l'oubli, de réparer l'erreur? C'est cela, me semble-t-il, le progrès. C'est barrer la route à la fatalité et, par conséquence, à la fatalité physiologique. Cette loi, messieurs, elle ne peut pas survivre et, si l'on m'écoutait, elle ne pourrait pas survivre une seconde de plus. Pourquoi? Pour ma part, je pourrais me borner à dire, parce qu'elle est contraire fondamentalement à la liberté de la femme, cet être depuis toujours opprimé. L'oppression est dans la décision vieille de plusieurs siècles de soumettre la femme à l'homme. On fabrique à la femme un destin, biologique, un destin auquel aucune d'entre nous ne peut ou n'a le droit d'échapper. Notre destin à toutes, ici, c'est la maternité. Un homme se définit, existe, se réalise par son travail, par sa création, par l'insertion qu'il a dans le monde social. Une femme, elle, se définit, ne se définit que par l'homme qu'elle a épousé et les enfants qu'elle a eus. Telle est l'idéologie de ce système que nous récusons. S'il reste encore au monde un cerf, c'est la femme, c'est la serve, puisqu'elle comparaît devant vous, messieurs, quand elle n'a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous, n'est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression? Quand elle avorte, comparaître devant vous, n'est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression? Quand elle avorte,
Comparaître devant vous n'est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression ? Que nous retrouvons à travers deux autres figures inspirantes à qui notre pays vient de rendre hommage. Justement, le 21 février, un poète, un ouvrier, un résistant, un humaniste est entré au Panthéon pour l'éternité. Missak Manoukian a intégré 80 ans après. S'est éteint. Ces combats universels pour la justice et les droits humains résonnent dans toutes les consciences. La suppression des juridictions d'exception, la dépénalisation de l'homosexualité, l'amélioration des conditions carcérales, la possibilité pour un citoyen de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, le développement des peines non privatives de liberté pour les délits mineurs ou encore l'indemnisation des victimes d'accidents de la route et, bien entendu, l'abolition de la peine de mort. Héritier des Lumières, il était devenu au fil du temps une référence. La raison et l'humanité étaient deux vertus cardinales pour l'homme de droit sensible et l'avocat des grandes causes qui aura dédié sa vie à la défense des libertés fondamentales qui protègent les vies libres. Et parmi ces combats, il aura œuvré durant toute sa vie avec force pour la construction d'une Europe protectrice des droits et des libertés. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Pensons à ces mots prononcés par Missak Manoukian avant d'être fusillé. Pensons à ces mots quand, dans quelques semaines, le 9 juin prochain, nous serons, comme près de 450 millions de nos concitoyennes et concitoyens européens, appelés aux urnes pour décider de l'Europe que nous voulons. Et si l'Union européenne est critiquable à bien des égards, même imparfaite,
N'oublions jamais que ses fondateurs, au sortir de la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, étaient animés par la recherche d'une paix durable sur le continent. N'oublions jamais les valeurs que nous avons en partage, égale dignité de la personne humaine, liberté, état de droit, égalité, démocratie, mais aussi tolérance et solidarité. Je forme le vœu d'une Europe où la liberté se conjugue avec la recherche du bien commun. Les enjeux de ces élections européennes sont immenses pour notre destin commun. Lutte contre le dérèglement climatique, droits sociaux, migration, mais aussi sécurité, à l'heure où l'agression russe de l'Ukraine se poursuit, où nous devons opposer une solidarité sans faille à la folie destructrice d'un régime totalitaire qui ne reculera devant rien, avec, ne soyons pas dupes, la complicité coupable de l'extrême droite européenne. À l'heure où également le terrorisme frappe partout dans le monde, mes pensées vont aux victimes de l'attentat perpétré à Moscou dans une salle de concert. Et je réitère notre demande de cesser le feu à Gaza. À ce jour, ce sont près de 32 000 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne, la libération de tous les otages israéliens et l'engagement d'un processus de paix. Les femmes et les enfants ont suffisamment payé la folie meurtrière des hommes. Une motion vous sera proposée dans ce sens. Alors oui, il faut que la solidarité redevienne une priorité des politiques publiques à l'échelle européenne comme nationale et se traduise par des actes pour que notre société tienne debout. Et peut-être serait-il temps de s'inspirer de la manière de faire démocratie dans nos territoires. Une manière de faire démocratie qui est aussi une manière de faire cohésion, et c'est ce à quoi nous nous employons ici, en Meurthe-et-Moselle. Il y a 6 mois, je vous proposais un agenda autour de 3 marqueurs forts, l'accès aux droits, la dignité et l'émancipation. Des marqueurs qui illustrent notre volonté d'agir pour un avenir plus solidaire et une Meurthe-et-Moselle plus citoyenne. Oui, la tâche est rude et la mission difficile. Elle requiert de l'humilité autant que de la volonté et des résultats tangibles nous encouragent. Mettre la solidarité au cœur de l'action publique vise d'abord à apporter des réponses adaptées, en proximité et respectueuses de la dignité de chaque personne fragilisée par la vie. Mais ce principe porte un dessein plus essentiel encore, celui de créer et de renouer des liens solides entre les citoyens et entre les territoires afin de construire collectivement et dans la confiance le vivre ensemble. Ce principe est aujourd'hui une exigence face à l'évidence d'un corps social qui s'effrite, fragilisé par l'explosion de la pauvreté, laquelle, nous le savons, induit le décrochage de toute une partie de la population. En Meurthe-et-Moselle, nous construisons patiemment et avec conviction des réponses. Je vous en livre 2 exemples, 2 illustrations. Avec vous pour vos droits, connus sous le nom de « Territoire zéro non-recours ». Cette expérimentation que nous avons impulsée avec la métropole du Grand Nancy, l'association ATD Quart-Monde, avec les communes, les services de l'État et la caisse d'allocation familiale, nous donne de l'espoir. 2 mois après la première intervention sur le terrain, les mots des travailleurs sociaux, des habitants, des élus, même les plus sceptiques au départ, des partenaires, nous permettent d'affirmer que nous allons dans le bon sens. L'évaluation nous dira dans quelles conditions nous pouvons essaimer cette méthode, mais je le dis déjà, le croisement des savoirs d'action des professionnels avec les savoirs de vie des personnes est une immense richesse. Je souhaite partager avec vous quelques paroles emplies de beaucoup d'émotions. On a été entendu. Par exemple, on a bien fait de changer de nom, car avec vous, pour nos droits, ça donne un message positif, ça donne envie. C'est important, les mots, et en plus, c'est nous qui les avons trouvés. Travailler en binôme, travailleur social, habitant, c'est comme faire un pont. Ça nous a fait faire un vrai pas de côté dans notre vision du travail. Le lien de confiance est construit. Tous les rendez-vous des droits qui ont suivi les échanges
ont été honorées et des ouvertures de droits ont été réalisées. Merci à Sylvana Silvani et aujourd'hui à Annie Silvestri de faire en sorte, avec les bénévoles et les partenaires, que nous changions de regard, un changement de regard qui a attiré l'attention de Claire Hédon, défenseur des droits que nous avons reçu au centre social Saint-Michel-Jéricho il y a peu. Oui, aller vers permet d'aller mieux. Le service public départemental de l'autonomie est un autre exemple et une autre forme de réponse. Inspirée des rapports de Dominique Libeau, cette expérimentation doit permettre à l'ensemble des acteurs de l'autonomie de mieux travailler ensemble, en proximité, autour d'objectifs partagés de qualité du service rendu aux plus fragiles d'entre nous. Pour mener cette expérimentation unique dans le Grand Est, nous pourrons compter sur le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, nouvellement installé, à l'instar de la place d'ATD Quart-Monde dans l'expérimentation avec vous pour vos droits. Il est indispensable dans la complexité des dispositifs que l'usager puisse compter sur des voix fortes et exigeantes. Et merci à Catherine Boursier, première vice-présidente déléguée à l'autonomie, pour son engagement dans cette nouvelle démarche. Pour renforcer l'accès aux droits, garantir la dignité et favoriser l'émancipation, le rôle des professionnels du travail social est central. Et il importe de rappeler que les professionnels du travail social contribuent à faire vivre, voire réparer le lien social avec et auprès de toutes et tous, comme de ne jamais oublier que la pratique du travail social nécessite plusieurs formes d'engagement. C'est d'abord un engagement pour répondre aux inégalités et à l'exclusion. Les professionnels du travail social s'emploient à permettre l'accès aux droits, des droits qui ont un rôle déterminant dans le quotidien des personnes les plus vulnérables. Cette dimension est essentielle dans une société où les fractures s'aggravent, où les personnes en situation de pauvreté sont de plus en plus marginalisées, au point d'être ainsi, dire exclues des décisions qui les concernent en premier lieu et a fortiori stigmatisées. Au cœur de cet engagement se trouve également une éthique forte. Elle se conjugue avec une intégrité, une responsabilité et un respect profond de la dignité de chacune et de chacun. Enfin, l'engagement en travail social implique non seulement de comprendre les besoins des personnes, mais aussi d'agir avec elles pour construire et mettre en œuvre des solutions conduisant à leur émancipation. Le travail social doit aussi répondre à de nouvelles questions. Les travailleuses sociales le savent, il est indispensable de faire autrement. Je crois en elles et eux, car elles, ils sont capables de dépasser bien des obstacles pour faire émerger de nouveaux possibles. La création en quelques mois d'un centre de formation par apprentissage pour les travailleurs sociaux à Longlaville est un exemple de réponse collective qui peut être apportée. Je leur dis aujourd'hui, alors que nous avons fêté le 19 mars la Journée mondiale du travail social, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est bien parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et ce n'est pas tant l'identité du travail social qui se trouve réinterrogée par l'urgence des besoins que les pratiques professionnelles et le nécessaire décloisonnement des réponses à apporter. Le schéma d'action sociale de proximité que nous débattrons au cours de cette session y contribuera. L'action sociale répond aux besoins souvent urgents des personnes en difficulté et prévient ainsi l'exclusion. Elle vise aussi et surtout à leur émancipation en leur permettant d'accéder à leurs droits et d'exercer pleinement leur citoyenneté. Ces actions participent à leur dignité. Elle intervient dans la proximité et constitue un premier niveau d'intervention au carrefour de l'ensemble des politiques publiques de solidarité. Ce schéma fait écho aux exigences de sens et aux nécessaires besoins de transformation du travail social, exigences et besoins que je porte au niveau national, que ce soit au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, comme auprès des ministres Catherine Vautrin et Fadila El-Khattabi, dans le cadre du comité des financeurs, ou encore, lorsque je rencontrais la ministre Sarah El-Haïry, il faut faire du travail social une grande cause nationale. Je sais que ce schéma représente un travail de plus d'un an animé par notre vice-présidente Rosemarie Lupeau. Je sais aussi qu'il a été construit
en cohérence avec les feuilles de route de nos politiques publiques en matière d'autonomie, de protection de l'enfance, des familles et de santé publique et d'insertion. Et je sais enfin qu'il a été nourri des échanges de grande qualité avec les magistrats de la Cour des comptes qui ont mené une enquête sur l'accompagnement social auprès de 6 collectivités, dont la Meurthe-et-Moselle, au cours du second semestre 2023 et dont nous devrions disposer prochainement des enseignements. Il nous faut désormais faire évoluer notre organisation à la mesure des évolutions de notre société et des besoins de nos concitoyennes et concitoyens. C'est un impératif. Dans l'attente, mes plus vifs remerciements vont à l'ensemble de celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce schéma et qui l'impliqueront demain dans sa mise en œuvre. Ils vont également aux vice-présidentes, aux vice-présidents et plus largement aux élus qui se mobilisent au quotidien afin que notre collectivité demeure ancrée dans ses valeurs humaines. Qui mieux que Michel Dinet les incarner ? 10 ans après sa disparition brutale, permettez-moi d'emprunter ces paroles. Il nous faut rester réalistes quant à l'influence des décisions du département sur le niveau national. Ne renions pas l'une de nos utopies, c'est ce que chacun fait ici, par le bas, au quotidien, de ses responsabilités, de ses possibilités, qui peut s'inscrire dans une logique et une volonté de transformation nationale. Michel Dinet avait cette intelligence du cœur et de la raison qui associe vision et action. Il faisait converger les ressources des personnes et les richesses des territoires. Il appelait cela le développement social local. Pour chacun et chacune de ses successeurs, il fut une figure inspirante. Son héritage continue d'irriguer nos politiques publiques. C'est un engagement de chaque instant, à porter, à renouveler. Alors en 2024, prolongeons cette bataille culturelle et ainsi honorons sa mémoire. Je vous remercie. Mes chers collègues, nous allons donc poursuivre cette session avec l'examen des questions d'actualité. Nous allons démarrer par une question posée par notre collègue Émilien Martin Trifandier. Merci. Ah oui, c'est vrai, mon micro ne marche pas. Vous pouvez me mettre sur Anthony, s'il vous plaît. Merci. Merci Madame la Présidente. Il y a 3 semaines, nous étions, pour certains d'entre nous, en délégation au Salon de l'Agriculture, dans une ambiance assez festive qui avait assez dénoté avec les images offertes lors de l'inauguration nationale du marché, du salon, avec notamment le passage du Président de la République. Et alors que 3 semaines plus tard, on a l'impression que la mobilisation des agriculteurs est derrière nous, il s'agit, au travers de cette question, de rappeler que nous nous méfions toujours de l'eau qui dort, parce que, au-delà des réponses de court terme qui ont été apportées en urgence et bien maladroitement à l'issue de cette crise et pendant cette crise, il y a énormément d'angles morts sur les questions agricoles qui demeurent d'actualité, qui questionnent le modèle agricole et, localement, qui questionnent l'avenir de la filière en Meurthe-et-Moselle. Le premier enjeu, c'est bien sûr celui de la démographie professionnelle. Il y a 50% des exploitations agricoles qui sont dirigées par des exploitants de plus de 55 ans. En 10 ans, on a perdu 80 000 emplois agricoles. Et à la fois comme cause et comme conséquence de cette crise de la démographie professionnelle, on a un secteur qui est pris dans une course au gigantisme. Dans les années 70, on avait 1,5 million de fermes en France. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 400 000. Une ferme dans les années 70, c'était 15 hectares en moyenne. Aujourd'hui, c'est 63 hectares. Cette course au gigantisme, elle répond à la pénurie de main-d'œuvre, mais elle produit également de la pénurie de main-d'œuvre, puisque la course au gigantisme, c'est le règne absolu de la mécanisation, avec toutes les problématiques de surendettement qu'il entraîne pour les agriculteurs, et donc qui transforme la profession non pas en métier, mais en sacerdoce qu'on ne parvient plus à se transmettre de père en fils ou de père en fille.
C'est également le règne de la chimie, avec donc le règne du rendement à court terme qui détruit les sols sur le long terme et qui demande encore plus de chimie et donc qui augmente les coûts d'exploitation sur le long terme au titre de la réduction des coûts d'exploitation sur le court terme. Et c'est enfin l'accaparement des terres par les grands groupes. Aujourd'hui, on estime qu'un quart des exploitations sont devenues des méga-fermes de plus de 100 hectares et qui entraînent une déconnexion entre la terre et son exploitant. Bref, on a un modèle qui est pris dans une fuite en avant, mais une fuite en avant qui est entretenue par les pouvoirs publics. Ce n'est pas le modèle qui s'est enfermé tout seul là-dedans. On a un problème de fuite en avant mondial, européen et national. Au niveau mondial, on a une course au rendement qui détruit le vivant en empoisonnant le consommateur. On a beaucoup parlé des fermes verticales en Chine, du bœuf américain. Et plutôt que de pointer en bouc émissaire le poulet ukrainien, il s'agit aussi de balayer devant notre porte, puisque même en France, nous ne sommes pas exempts, loin de là, d'abus dans les pratiques d'élevage et même d'agriculture en général. Par ailleurs, qu'on peut quand même saluer, c'est l'occasion de cette question, de saluer également le vote du Sénat qui a eu lieu la semaine dernière avec nos collègues à la fois de la gauche mais également de la droite et du centre qui ont, dans un sursaut altermondialiste, refusé le traité Mercosur et qui ont substitué au libre-échange le concept de juste échange qui serait temps d'imposer au niveau mondial et européen. En Europe, la PAC continue de favoriser le gigantisme et donc favorise la fuite en avant du secteur et la crise de la main-d'œuvre. On peut même parler de l'orthodoxie du mandat de la Banque Centrale Européenne qui, sous couvert de lutter contre l'inflation, est en train de poursuivre son ralentissement de l'économie. Et donc pour les agriculteurs, ça veut dire à la fois le ralentissement du commerce et également le développement de l'inflation puisque cette stratégie ne fonctionne plus. On paye des règles financières du XXe siècle qui datent à peu près de la même époque que notre modèle agricole. Et enfin, au niveau national, la conséquence de cette crise du commerce, c'est la baisse des dépenses et l'annonce du plan de rigueur. On nous annonce en septembre des tailles dans la Sécu. Quelles conséquences ça va avoir sur la MSA? On nous annonce des tailles dans les investissements. Quid des aides à l'installation et des nouveaux emprunts qui ont été promis aux agriculteurs en novembre 2023, dont on ne voit toujours pas la couleur? Bref, l'avenir est un peu bloqué au niveau qui nous dépasse, au niveau national et européen. Heureusement, et je termine là-dessus, au niveau local, on a des motifs d'espoir. On a une génération qui se retrousse les manches pour inventer le modèle agricole de demain. C'est par exemple le cas sur le foncier, j'en parlais tout à l'heure. Dans la bataille pour le foncier, on a des structures de l'économie sociale et solidaire qui s'organisent pour mettre en place un rapport de force face à l'accaparement des terres. C'est le cas de Terre de Liens, par exemple. On a également des GEC qui relocalisent la production et qui s'attachent à avoir des clients en consommation directe, ce qui a un effet direct sur l'inflation, puisque quand on ne paye pas l'essence du camion qui va dans les centrales d'achat et qui redescend ensuite dans l'assiette du consommateur, eh ben, l'agriculteur, faute d'avoir une politique nationale qui l'organise, ça agit lui-même pour réduire ses coûts et donc pour réduire l'inflation. C'est également les projets d'agri-énergie qui nécessitent sans doute un pilotage et une rationalisation plus poussée, mais qui ont le mérite de se développer et de proposer des débouchés aux agriculteurs. Et c'est également, par exemple, des exemples concrets sur mon canton, là où c'est Côte de Toul qui a développé sa qualité depuis 10 ans sous l'impulsion de vignerons un peu ambitieux. Et également, on a également du côté des producteurs, des structures comme Tim et Bastien, les fermiers d'ici qui tenaient leur AG samedi dernier, qui agissent pour que, au-delà de la production, on change également nos modes de consommation pour agir sur le renouveau de l'agriculture. Bref, on n'attend pas qu'en France, qu'en Europe et qu'au niveau des traités internationaux, on sorte du XXe siècle. On invente d'en bas le modèle agricole du XXIe siècle qui nous permettra de faire face aux enjeux des décennies à venir. Ma question, c'est le département, dans cette logique-là, dans cette logique de proximité et de solidarité, se veut être un moteur de changement pour ce modèle. On l'a vu au salon, l'ambiance que le département a créée autour d'elle a démontré que nous avions une autre vision, plus apaisée et plus en fluidité du dialogue avec les agriculteurs et d'autres ambitions pour ce modèle. Et donc ma question, pouvons-nous détailler les dispositifs qui, pour les 272 000 hectares de la Meurthe-et-Moselle et les 2100 exploitations du 54, quels sont les dispositifs que le département met en place pour accompagner cette transition? Je vous remercie. Merci. Je vous propose une réponse portée par notre collègue Barbara Thirion, déléguée plus spécifiquement justement à l'agriculture. Barbara. Eh bien, merci. Eh bien, cher Émilien, quel enthousiasme. Tu as raison, hein. L'agriculture, c'est une question mondiale, européenne, nationale. Je vais te dire ce que l'on fait, nous, à notre échelle. On fait des petits pas, évidemment, on essaye d'être vertueux. Mais je crois, j'aimerais juste corriger, ce n'est pas le Mercosur, la semaine dernière, pour lequel ils ont voté contre. J'aurais bien aimé, pour ceux qui connaissent le Mercosur, j'aurais bien aimé que ce soit celui-là. C'est le CETA. Et puis, pour parler à beaucoup d'agriculteurs, le CETA,
n'avait pas que des désavantages, il y avait aussi des avantages. Donc bon, voilà, on pourrait polémiquer longtemps sur tous ces accords internationaux. Voilà, petite correction. Alors, bon, je vais parler à notre niveau. Voilà, département. En effet, le salon de l'agriculture, on y était tous, quelques-uns. J'espère qu'au fur et à mesure des années, tout le monde va pouvoir y aller. Ceux qui n'y étaient pas, il y en a qui n'y sont encore jamais allés avec nous. C'est toujours une belle occasion. On met à l'honneur donc nos produits, les savoir-faire des femmes, des hommes passionnés. On le voit quand ils nous montrent un petit peu toute leur production. On a aussi une excellence sur nos territoires. Et Madame la Présidente, vous le rappelez sans cesse, que l'on fait des choses formidables. Et parfois, bien, on ne sait pas trop communiquer dessus. Donc le salon, pour nous, c'est l'occasion de communiquer sur cette excellence. Alors au-delà du soutien financier, puisqu'on soutient donc ce salon de l'agriculture au niveau du conseil départemental, on soutient aussi la profession agricole, donc dans sa mission qui est nourricière. C'est ce que nous, voilà, nous soutenons, et puis aussi la mission paysagère. Alors on les accompagne, tous ceux qui s'engagent dans la transition, l'adaptation qui est nécessaire à cette filière, à ce métier, qui ne peut pas rester tout seul face à l'ampleur des défis qu'elle rencontre. Et je crois qu'en fait, c'est ça le gros problème. On a demandé beaucoup à notre agriculture au niveau européen et on ne les a pas accompagnés suffisamment pour aller vers cette transition. Donc une nouvelle charte agricole que l'on signe régulièrement avec la profession agricole. Cette charte, elle va être proposée en 2024, mais à chaque fois, cette charte agricole, on la propose parce qu'elle a été construite avec les organisations partenaires. Voilà. Nos crédits, à chaque fois, ils sont maintenus. Je rappelle qu'on a renouvelé donc la convention aussi triennale d'autorisation de financement complémentaire avec le Conseil régional pour 2024 et 2026. Notre appui aux structures agricoles, ça nous permet d'agir en commun sur plusieurs questions. Nos valeurs, l'environnement, le social, l'insertion et l'agrotourisme. Alors ça n'est qu'une petite partie de l'action que nous menons en direction de l'agriculture durable. Notre département va activer plusieurs leviers. Deux démarches déjà de développement de l'approvisionnement alimentaire local qui sont en cours et qui sont suivies par notre collègue Sylvain Mariette. Le premier, donc, c'est le plan alimentaire territorial Nord 54, qui va avoir vocation à reprendre les études donc, dans le cadre d'Aroma. Et nous sommes les coordinateurs aussi de la démarche plan alimentaire Sud 54, avec un très large collectif, la Chambre d'agriculture, entre autres. Quatre chantiers au long cours sont suivis. La préservation du foncier agricole, l'appui à l'installation, la structuration des filières de production, logistique, transformation, la stratégie d'achat public responsable, l'accessibilité sociale et l'éducation autour d'une alimentation durable. En 2023, le département a été lauréat de l'appel à projet Mieux manger pour tous avec 6 partenaires. Le projet Développer des nouveaux accès à une alimentation durable locale choisie portera sur 3 ans, de septembre 2023 à septembre 2026. On bénéficiera d'une grosse subvention de 584 500 euros. À cela s'ajoute le travail sur les boucles alimentaires locales qui favorisent la lutte contre le gaspillage alimentaire, la valorisation des biodéchets, le développement des jardins nourriciers. Bon, je rappelle également que dans le cadre de notre politique collège, en partenariat toujours avec la Chambre d'agriculture et des plateformes de producteurs, nous avons les fermiers lorrains, nous avons les paysans bio lorrains, nous avons mis en place une solution clé en main pour favoriser l'approvisionnement bio ou et local dans les collèges, encouragés également par une dotation complémentaire de 20% du montant de leurs achats locaux. D'autres politiques départementales sont mobilisées. On accompagne 600 agriculteurs, salariés agricoles au RSA, via une convention avec la MSA. On conventionne aussi avec les agriculteurs présents sur les espaces naturels sensibles, qu'on appelle les ENS, pour des mesures agro-environnementales, MAE, engagées sur le site Natura 2000 et pour la protection des captages d'eau. La convention pour le recyclage agricole des boues d'épuration. L'activité du laboratoire départemental d'analyse vient compléter cet appui. Vous savez que tout le monde nous l'envie, ce laboratoire d'analyse. Ça permet justement de participer au suivi de la qualité sanitaire des cheptels, des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Il est implanté à Malzéville, tout le monde le sait maintenant. Il est ouvert aux entreprises agricoles, agroalimentaires de toute taille, aux éleveurs, aux collectivités, aux vétérinaires praticiens. Et nous le finançons, nous, ici, au Conseil départemental, avec 745 000 euros.
Une démarche globale qui conjugue accès pour tous à une alimentation durable, à la transition écologique, au droit de vivre dignement de nos agriculteurs. Nous aidons à notre niveau, mais une fois de plus, je te rejoins, Émilien, c'est bien de la base que tout part. Nous voyons bien les agriculteurs se mobiliser pour relancer des marchés locaux, pour relancer tout ce qui est vente locale, directe, des produits de qualité, pour faire leur communication. Nous les soutenons aussi, bien sûr, dans les cas où il y a des drames humains ou des chances, je veux dire, des naissances ou des mariages, pour pouvoir les aider dans le service de remplacement. On les aide à de nombreux niveaux. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous aimerions faire beaucoup plus, mais là, il va falloir attendre de l'État et de l'Europe quelque chose d'un peu plus soutenu pour pouvoir les aider plus amplement. Mais nous suivrons. Merci. Merci Barbara. Nous poursuivons nos questions d'actualité par une question de notre collègue Sylvaine Scaglia. Oui, ça marche. Oui, c'est bon. Oui, donc une question d'actualité, Madame la Présidente, et surtout d'information à mes collègues qui auront à voter cette année la dissolution d'Élise. Donc c'est bien d'en parler aujourd'hui afin que vous ayez tous l'information. Je sais que la presse écoute nos questions, donc je les invite à rencontrer l'équipe d'Élise avant la fermeture, parce qu'ils le méritent bien. Madame la Présidente, mes chers collègues, la lutte contre les zoonoses, ces maladies transmissibles des animaux à l'homme, est devenue un enjeu crucial pour la santé publique mondiale. Le Covid-19, la grippe aviaire ou encore Ebola ont démontré leur capacité à causer des pandémies dévastatrices, tout comme la borréliose de Lyme, met en rude épreuve le quotidien des personnes qui en sont affectées. Dans ce contexte, notre collectivité détient un rôle crucial dans la lutte contre les zoonoses au niveau local. Ses compétences en matière de gestion des ressources naturelles et d'aménagement du territoire en font un acteur clé pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de prévention et de contrôle de ces maladies. J'ai la conviction que notre département peut et doit jouer un rôle de coordination entre les différents acteurs impliqués dans la lutte contre les zoonoses, tels que les services de santé, les organismes de recherche, les associations de protection de l'environnement et les communautés scientifiques locales. Aussi tenais-je donc à revenir sur l'action de l'association Élise, qui veut dire l'entente de lutte et d'intervention contre les zoonoses, qui œuvre depuis 1973 à l'échelle interdépartementale pour étudier ces maladies autochtones et trouver des moyens pour lutter contre. Qui œuvre, ou plutôt qui œuvrait, car cette entente interdépartementale aura eu tout juste le temps de souffler sa 50e bougie avant que ne soit entérinée lors du conseil d'administration extraordinaire du 21 février dernier sa dissolution en raison du retrait de certaines collectivités adhérentes, entraînant une fragilisation du modèle économique de l'association. Je rappelle qu'ils étaient 45 au départ et il n'en reste plus que 22, et que ce n'est pas une obligation d'adhérer à Élise. Pourtant, les actions d'Élise conduites par Élise sont connues et reconnues, y compris par la communauté scientifique, et c'est les seules en France. Je souscris pour ma part pleinement aux propos du président d'Élise, qui en décembre dernier indiquait, je cite, que le département est la bonne échelle pour ce genre d'études, beaucoup plus qu'une région, parce que les départements ont toujours eu comme vocation d'être au plus proche de leur population. De toute évidence, les travaux conduits par Élise ne sauraient rester lettre morte et sonner le glas de nos ambitions sur ce sujet majeur de santé publique. Dans cette perspective, je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer, Madame la Présidente, de quelle manière le département compte prendre le relais à son échelle des travaux conduits par l'association Élise depuis 50 ans. Partenariat, extension des missions du laboratoire vétérinaire, et alimentaire départemental. Madame la Présidente, quelle est la nature des échanges que vous auriez pu avoir avec vos homologues des départements adhérents ou non adhérents, afin d'apporter potentiellement plus largement une réponse coordonnée? Enfin, dans la mesure où le siège de cette entente est basé à Malzéville, comme quoi on est riche au niveau de Malzéville, pour le savoir, seriez-vous favorable à ce que nous puissions solliciter Élise afin d'en récupérer ses archives, puisque ça va être une obligation juridique de conserver tout ce travail, de sorte que la mémoire de son action ne se perde pas et puisse éclairer celles et ceux qui pourraient éventuellement prendre le relais.
La coopération est indispensable pour lutter efficacement contre les zoonoses. Les maladies infectieuses ne connaissent pas de frontières et une réponse coordonnée au niveau local est nécessaire pour prévenir leur propagation. C'est à travers ce partage d'informations, la mutualisation des ressources et le développement de l'expertise que nous pourrons renforcer nos capacités de surveillance et répondre aux maladies. Et je voulais vous ajouter que j'ai été quand même très fière depuis 2 ans de partager ma mission auprès d'Élise. Merci. Merci. Je vous propose des éléments de réponse par notre vice-président Sylvain Mariette. Merci Sylvaine Scaglia de porter cette lumière sur le travail mené par Élise. Je souhaite d'ailleurs saluer aussi, comme toi, le travail très opérationnel et toujours dans la continuité mené par le président Franck David, premier vice-président du Jura, et Benoît Comble, le directeur, mais aussi leurs prédécesseurs, parce que depuis 50 ans, il y a eu un travail de continuité et d'opérationnalité tout à fait remarquable mené par cette entente. Donc, en effet, l'entente de lutte et d'intervention contre les zoonoses, établissement créé il y a plus de 50 ans maintenant et qui a regroupé jusqu'à presque 50 départements. Donc, à cette époque, en 72-73, il s'agissait de lutter contre la rage qui était particulièrement implantée sur l'est et le nord-est et l'est de la France. Et donc, tout un travail a été mené pour protéger au mieux nos populations des zoonoses transmises par la faune sauvage. Et le département de Meurthe-et-Moselle y a adhéré très tôt, dès le départ. Et nous avons eu la chance que cet établissement soit en effet installé en Meurthe-et-Moselle, à Malzéville, et a permis tout au long de ces années de construire des coopérations locales, notamment à signifier avec le monde de la science, bien sûr, le monde de la médecine, mais aussi le monde de la chasse qui a été très impliqué dans ce projet. Alors, comme vous l'avez indiqué, le conseil d'administration extraordinaire du 21 février dernier a acté la dissolution prochaine de l'entente à l'horizon de la fin de l'année 2024, en raison du retrait d'un certain nombre de collectivités adhérentes, de départements adhérents, entraînant la disparition de son modèle économique, c'est une chose, mais aussi la disparition d'un territoire de recherche suffisamment large pour être pertinent d'un point de vue scientifique. Nous aurions souhaité, quant à nous, que les travaux d'Élise puissent poursuivre. Sylvaine, vous avez vu la position du département tout au long de l'année qui vient de se passer. Systématiquement, nous avons essayé, ensemble d'ailleurs, je vous remercie de votre appui, de pousser à réinventer le système. On est arrivé aux limites de l'exercice et la décision, le 21 février, a été prise après de longues discussions pour aller vers la dissolution de l'entente. Alors, santé des écosystèmes, santé de la faune sauvage, santé des animaux d'élevage, santé humaine sont imbriqués pour former ce qu'on appelle souvent « one health » en anglais. Je préférais la formulation « une seule santé ». Et ce « une seule santé » est toujours une ambition environnementale, mais pas seulement, vous l'avez compris, pour le département de Meurthe-et-Moselle. Alors, en conséquence, il va falloir effectivement examiner comment poursuivre le travail utile de veille sanitaire dès maintenant, dès les prochains mois. Élise menait jusqu'ici une surveillance active, notamment de l'échinococcose alvéolaire, de la leptospirose, deux maladies transmissibles à l'homme et présentes notamment sur le Grand Est. La poursuite d'un partenariat semble possible avec, entre autres, un appui du laboratoire vétérinaire, le revoilà qui revient, on en parlait juste avant, qui a d'ailleurs toujours coopéré en Meurthe-et-Moselle avec Élise et dans d'autres départements, les autres laboratoires aussi, l'ANSES, les services territoriaux de l'État, la Fédération départementale de la chasse. Reste que l'échelle strictement départementale ne sera certainement pas la plus efficiente. Et c'est sur la base, en effet, d'une coopération impliquant un nombre significatif de départements et surtout une large continuité territoriale, Grand Est élargi certainement à la Bourgogne-Franche-Comté par exemple,
Et c'est à cette échelle-là qu'il sera possible, qu'il a été possible de parvenir à l'éradication de la rage, par exemple en 2001, et qu'il sera là aussi un territoire de projet pour lutter pour les zoonoses à venir. La question du devenir des archives de l'entente que vous avez évoquée, c'est une question qui a été évoquée très tôt avec notamment le directeur Benoît Combes, un sujet qui me paraît particulièrement important. Et donc il semblerait que des premiers contacts aient été établis avec les archives de Meurthe-et-Moselle dans un cadre réglementaire, mais je crois qu'il faut aller au-delà de la réglementation sur le sujet. Ce sera en tout état de cause logique dans la mesure où les archives départementales ont pour vocation d'assurer la collecte, le classement et la conservation et la communication publique des archives publiques produites sur le département. Donc c'est bien entre ces deux structures que les choses vont se passer. Et je mesure avec vous, je crois, tout l'intérêt du travail qui a été fait historiquement depuis 50 ans sur le sujet. Je voudrais, avant de conclure, rappeler que les zoonoses, et c'est pour ça que j'apprécie vraiment beaucoup votre question, sont un vrai sujet du XXIe siècle. Au-delà de la guerre qu'on évoque sur l'Ukraine aujourd'hui, nous avons des signaux qui montrent, par exemple, que la rage reprend en Ukraine et à la frontière roumaine et slovaque. Les zoonoses, c'est pas loin de 70 000 maladies qui pourraient nous concerner, probablement très peu d'entre elles, mais on a bien tous en tête, en effet, le Covid, et on devra, je crois, être extrêmement vigilant et avoir une capacité proactive et pas simplement réactive sur le sujet. Donc merci Sylvaine d'avoir attiré l'attention aujourd'hui sur ce sujet, et encore une grande salutation au travail mené par l'équipe de l'Entente depuis de nombreuses années et aux équipes qui les ont précédées, qui ont fait un travail dans la durée. Voilà, je vous remercie. Merci. Nous poursuivons avec une question d'actualité de Thibault Bazin. Merci Madame la Présidente. Le frelon asiatique s'est introduit en Dordogne en 2004 de manière accidentelle. Cette espèce s'attaque aux abeilles domestiques, mais également agressive contre toute espèce humaine. Au niveau européen, le frelon asiatique figure sur la liste des espèces exotiques envahissantes, préoccupantes pour l'Union européenne. Aussi, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a classé, selon l'arrêté du 26 décembre 2012, le frelon asiatique sur la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l'abeille domestique. Or, malgré les nombreuses attaques des frelons asiatiques sur l'espèce humaine et les abeilles domestiques, l'État n'a pas encore adopté un protocole national d'action pour lutter contre la prolifération du frelon asiatique. En effet, la destruction de nids n'est pas obligatoire et cette opération a un coût dissuasif pour les particuliers, obligeant certains à détruire eux-mêmes les nids tout en engageant leur santé. Une destruction sauvage du nid engendre pourtant un risque très élevé d'attaque massive et favorise la dispersion des rennes qui recréeront d'autres nids. Le piégeage a été également fortement déconseillé car il présente un risque important pour de nombreux autres insectes et papillons. Dès le mois d'avril, une fondatrice débute la préparation de sa colonie en construisant un nid primaire dans un endroit abrité. C'est donc au printemps et au début de l'été que les frelons asiatiques peuvent être repérés plus facilement. Plusieurs départements ont décidé de participer à la destruction de nids de frelons asiatiques. Ainsi, le département de l'Orne, en lien avec le groupement de défense sanitaire de l'Orne, a mis en place une plateforme départementale pour déclarer la découverte d'un nid de frelons asiatiques. En passant par cette plateforme, le département de l'Orne participe à hauteur de 33% pour la destruction. Le département de Seine-Maritime a fait de même en prévoyant une aide de 30% à la destruction du nid actif de frelons asiatiques avec un plafond maximum d'aide de 30 euros par nid. Pour non seulement protéger l'apiculture, la biodiversité et l'agriculture de Meurthe-et-Moselle, mais également diminuer les risques pour les personnes allergiques ou immunodéficientes. Madame la Présidente, mes chers collègues, pourrions-nous étudier en lien avec les partenaires adaptés la mise en place d'une telle plateforme et un dispositif d'accompagnement adapté à notre territoire meurthe-et-mosellan ? Merci. Une réponse vous est apportée par notre collègue Barbara Thirion. Barbara. Merci.
Merci Thibault. Cette question me permet de dire qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on fait. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, là, que je suis arrivée, on travaille avec les apiculteurs sur cette question précise. On ne communique pas assez, Madame la Présidente, je le dis souvent, on ne dit pas suffisamment ce que l'on fait de bien. Donc je vais te répondre, Thibault. Le département, en effet, travaille depuis longue date avec le groupement de défense sanitaire apicole de Meurthe-et-Moselle, qu'on appelle le GDSA 54. Dans ce cadre, donc, la problématique du frelon asiatique est venue en priorité. Et puis aussi avec tous les apiculteurs que l'on rencontre sur le terrain. C'était une vraie question, hein. On était alertés quasiment tous les mois. Donc ça a fait l'objet de plusieurs réunions ces derniers temps, donc depuis un an et demi. Et les échanges ont associé donc, le syndicat APIEST, qui est basé donc, à Francheville, et l'Abeille Lorraine. Ce sont les deux gros syndicats agricoles en fait, hein, présents. Donc l'Abeille Lorraine, c'est un membre du syndicat national. Donc les premiers cas de frelons asiatiques, hein, ça avait été confirmé dans le Grand Est en 2015. Et ensuite, la situation dans notre région, elle n'est peut-être pas aussi critique finalement qu'à l'ouest ou au sud de la France, mais en fait, les dernières statistiques, là, on a fait une réunion il y a un mois et demi, en fait, ça y est, il est partout. Donc le frelon asiatique gagne du terrain dans tous les départements et ça provoque, comme tu le dis, des dégâts importants sur les ruchers. Ça a des conséquences économiques, écologiques, sanitaires. Et au-delà de ça, vous savez très bien que l'abeille, c'est le premier être vivant sur la chaîne alimentaire. Si cet insecte disparaît, on sait que toute la biodiversité s'effondre et puis nous aussi du coup. Hein. Donc, du coup, on s'est engagé auprès des apiculteurs pour limiter cet impact et nous sommes passés par le GDSA et surtout par les syndicats donc, d'apiculteurs. Alors, le piégeage, au vu des apiculteurs et des professionnels qui les utilisent, ça ne tue pas tant d'autres insectes et de papillons que ça. Donc, on a décidé de travailler avec eux sur ce sujet. On a donné l'année dernière une subvention de 3 000 euros au GDSA. Et le GDSA les a répartis pour fabriquer des harpes qui se mettent donc devant les ruchers et qui empêchent le frelon asiatique d'arriver et de tuer en fait les essaims d'abeilles. Il faut savoir qu'un frelon asiatique se nourrit de protéines. Et les protéines, c'est quoi? C'est des insectes. Et quand il voit un énorme essaim d'abeilles, eh ben, il adore ça. Il y va, il fonce et il mange tout. Donc, cette subvention l'année dernière, elle a permis de créer donc, ces harpes. Elle a été donc, distribuée sur les syndicats apicoles. Et puis, ces harpes, elles ne nuisent pas aux abeilles. Donc, cet accompagnement financier, on a décidé de le poursuivre. Voilà, on va continuer. On travaille toujours en collaboration avec eux. On a aussi travaillé avec les apiculteurs sur leur observation des essaims d'abeilles pour savoir si nos essaims, une espèce ne s'adapte pas rapidement normalement à un changement. Mais aujourd'hui, on a des apiculteurs qui nous font remonter que certains essaims ont réagi à ces attaques de frelons asiatiques. Dès qu'ils voient des frelons asiatiques en vol devant leur ruche, sortent, les entourent. C'est la chaleur qui fait tuer le frelon asiatique. L'entourent, font monter la chaleur et tuent le frelon asiatique qui attaque. Donc on est là-dessus aussi, on est aussi sur l'observation de terrain, une fois de plus. Donc, je suis aussi heureuse de vous informer, puisqu'on ne le fait pas assez, je dis toujours on ne communique pas sur les choses que l'on fait bien. On a créé une plateforme, et ça c'est vraiment, on a travaillé en 2023 dessus, et on est tout content de l'avoir mis donc là en janvier 2024 en route, qui va permettre le recensement en Meurthe-et-Moselle des nids de frelons asiatiques. Donc ça a été conçu par notre service d'information géographique, et puis à partir des données 2023 qui ont été transmises par les responsables des réseaux apicoles, elle a été placée à leur disposition, là, cette année. Elle va pouvoir être enseignée donc, et complétée au fil du temps par leurs soins. Une présentation, une formation technique, ça a été assuré par nos soins. Là, c'est vraiment notre travail de premier trimestre. La plateforme est en ligne. Et puis, dans l'instant, accessible uniquement à ces réseaux. Mais on a décidé au fur et à mesure, toujours avec leur accord, que cette cartographie, prochainement, elle va être rendue accessible au grand public très facilement pour en consultation et puis même pour pouvoir l'entretenir et l'étoffer, où les gens d'un coup de clic et d'une photo vont pouvoir alimenter. On va pouvoir donc étoffer cette cartographie. Comme ça, on pourra savoir où il y en a. Et puis après, appeler justement qui de droit pour pouvoir les détruire. Voilà, j'espère avoir... répondu à cette question, en sachant aussi qu'on soutient énormément le monde agricole, donc par ce biais-là, mais aussi on soutient aussi l'action Mielifère, hein, qui travaille en partenariat avec les agriculteurs et avec les apiculteurs, qui réconcilie en fait tous ces gens-là sur le terrain. Merci. Merci Barbara. Nous poursuivons avec une question d'actualité posée par notre collègue Anne Lassu. Merci Madame la Présidente.
Madame la Présidente, mes chers collègues, il est un temps que les moins de 20 ans n'ont que peu ou pas connu, où le parc du château de Lunéville, le parc des Bosquets, attirait de nombreuses familles de bien au-delà de Lunéville. C'était le temps du parc Adin, c'était le temps de la piste cyclable, c'était le temps de la fameuse aire de jeu. Il faisait alors bon y venir flâner les week-ends et mercredis. Aujourd'hui, le parc est bien triste, à l'image de son mobilier et de ses grilles. Madame la Présidente, je posais une question d'actualité du même type à votre prédécesseur Mathieu Klein lors de la session du 25 novembre 2019. Je faisais alors allusion aux grilles de chantier côté Champ de Mars installées par Michel Dinet. Il m'avait été répondu que cette solution provisoire ne durerait pas. Nous sommes en 2024 et ces grilles sont toujours là. Idem pour le mobilier qui, certes, a été repeint par endroits, mais mériterait vraiment d'être remplacé. Nous avons à Lunéville un savoir-faire en matière de ferronnerie. Pourquoi donc ne pas le mettre en valeur en demandant aux élèves ferronniers de nous créer bancs et poubelles originaux et décoratifs ? Je passe la question de l'aire de jeu. La ville en a pris son parti et a créé la sienne ailleurs, sans attendre le nouveau concept qui devrait arriver au château. Nous comprenons parfaitement que le parc Adin ne pouvait rester. Ces animaux sauvages ne sont pas adaptés à ce type de captivité et risquaient de graves problèmes de santé. Madame la Présidente, j'aurais une suggestion à vous faire. Pourquoi ne pas créer à cet endroit, assez éloigné du château visuellement, une fermette avec des animaux de race locale ? Je suis convaincue que cette réalisation serait un régal pour les jeunes et moins jeunes. Quand on constate la réussite du récent Salon international de l'agriculture de Paris, ou même plus localement, celle de Stan Élevage en septembre chaque année, il n'y a pas d'hésitation ni de doute à avoir quant à l'engouement que cela procurerait aux Lunévillois et autres. J'aborde maintenant un autre problème. L'Office des fêtes de Lunéville est un acteur majeur de l'animation estivale, avec un dimanche près du kiosque qui se tient dans le parc des Bosquets. Ainsi que l'indique son président, M. Nicolas Magnette, dans le courrier qu'il vous a adressé le 21 février dernier, cette animation mobilise plus d'une quarantaine de bénévoles et attire jusqu'à 900 personnes du département et même au-delà pour chaque dimanche. Sachant que cet événement se renouvelle durant toute la saison, soit 10 dimanches, cela nous donne une idée de l'ampleur de la manifestation. L'association est subventionnée uniquement par la ville de Lunéville, qui prend en charge le coût des orchestres et les repas des musiciens. Or, depuis 2023, le département réclame à l'association de s'acquitter des frais de consommation électrique relatifs à l'événement. Cette somme s'élève pour l'année dernière à 799,18 €. Et cette somme n'est pas tenable financièrement pour l'association. Je viens donc aujourd'hui, en appui de son président, pour vous demander, Madame la Présidente, l'octroi d'une subvention de 800 € au bénéfice de l'Office des fêtes de Lunéville. Je vous remercie. Je propose à la vice-présidente déléguée à la culture, Sylvie Duval, de vous répondre. Madame la Présidente, mes chers collègues, chère Anne, aujourd'hui, le château de Lunéville, ses parcs et jardins sont classés dans leur intégralité, c'est-à-dire jusqu'au bout, là où sont les grilles provisoires. Tout le monde sait, et chacun et chacune d'entre vous aussi, toutes les règles qui s'imposent et régissent les 10 monuments historiques. Le parc Adin, comme tu le dis à juste titre, n'avait plus vocation à durer, étant donné que les animaux sauvages ne sont pas destinés à la captivité. Créer au même endroit une fermette avec des animaux de race locale serait tout aussi néfaste pour le bien-être animal, mais de plus ne correspond pas au schéma directeur des jardins rédigés en fonction de l'histoire de ceux-ci. Des fermes pédagogiques existent dans notre département. Elles sont agréées par le ministère de l'Éducation nationale et les élèves, depuis la maternelle jusqu'au lycée, s'y rendent. Elles sont également ouvertes au public. Considérer que l'ennui règne au parc des Bosquets relève de la mauvaise foi. Sa fréquentation est toujours aussi importante et les projets en cours, comme la replantation d'arbres, chose qui n'avait pas été faite depuis plus de 30 ans, participe à la lutte contre le réchauffement climatique, perpétuant le rôle de poumon vert de ce parc de 19 hectares. Par ailleurs, afin de diversifier les propositions, un verger pédagogique va être mis en place pour offrir, dans les années à venir, outre les récoltes, la possibilité de sensibiliser les scolaires ou les personnes intéressées par la taille des arbres et la qualité des fruits que l'on consomme. Considérer que le parc est triste, c'est aussi oublier l'excellence de la programmation culturelle, proposée au travers d'événements réguliers, d'envergure, et je le rappelle,
gratuit dans un parc ouvert au public toute l'année, dans une amplitude horaire large. Je t'invite, chère Anne, à y passer autant de temps que Michel Marchal et moi. Tu en seras moins pessimiste. Le département réclame à l'Office des... Oh bah, ça, alors là... On s'y retrouve. Le département réclame à l'Office des fêtes de la ville de s'acquitter de ses frais d'électricité. Nous avons déjà répondu à ce propos et je rappelle que toutes les associations qui se rendent sur site s'acquittent de leur consommation de fluide et de la redevance d'occupation du domaine public, en toute bonne compréhension. Le sujet est donc clos, d'autant que nous parlons ici d'activités lucratives. Je ne serai pas sans rappeler que si nous entretenons de bonnes relations avec la ville de Lunéville, en ce qui concerne le raccordement au réseau de chaleur et les travaux de la place de la 2e division de cavalerie, que nous soutenons Seine-en-Selle, Madame la maire a choisi de retirer les 100 000 euros de subvention qui nous étaient versés pour le parc sous l'égide de son prédécesseur, affirmant qu'elle ne peut plus se le permettre, quand bien même il est fréquenté au quotidien par les habitants de sa commune. D'ailleurs, ils ont bien raison de venir au Bosquet, les habitants, car comme me le dit une formule récente, même Stanislas avait choisi Lunéville. Au château, on est bien chez Stanislas. Nous aussi, nous sommes dans l'obligation de faire des économies. Les grilles du fond du parc sont issues de solutions temporaires, certes. Il semble une fois de plus nécessaire de rappeler que c'est dans un site classé et de parler des étapes déjà franchies. Mise en place d'un schéma directeur pour les parcs et les jardins. Mise en place d'un plan de gestion. Lancement d'une première opération pour répondre aux éléments particulièrement dégradés qui sont une menace pour le public. Mise en place d'un accord cadre de maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, la prise en compte des grilles du fond du parc est réalisable et elle sera discutée avec les services de l'État. Il s'agira d'une décision budgétaire qui nécessitera de créer des grilles contemporaines car il n'y en a jamais eu à cet emplacement. Dans l'attente, les grilles actuelles seront habillées de panneaux d'information et de photographie en partenariat avec le CRI des Lumières dès cet été. Même si des ateliers de ferronnerie sont présents depuis très longtemps sur ce territoire, nous le savons, il ne convient pas pour l'instant de changer bancs et mobiliers. Au regard des urgences sécuritaires et sanitaires, quand les priorités du site seront résolues, la qualité esthétique du mobilier deviendra une priorité. L'ancienne aire de jeu a été démontée, car elle était vétuste, ne répondant plus aux normes de sécurité actuelles. Le schéma directeur des parcs et jardins a montré la nécessité de remettre en place les bosquets anciens perdus. Un projet de recréation intégrant les jeux pour les enfants et le loisir a été partagé par les membres du conseil scientifique et technique. Nous ne sommes pas sur un parc de loisirs comme il peut y en avoir dans toutes les communes. Nous avons la nécessité de respecter les procédures et démarches encadrées par le Code du patrimoine et de la commande publique. Au regard des services instructeurs de l'État et de leur contrôle, une livraison prévisionnelle pourrait être envisagée en 2027. Ma chère Anne, je formule le vœu que chacun comprenne que le château de Lunéville est un site exceptionnel et que les idées singulières qui viennent de ci, de là, sont inadéquates. Il y a un ordre de priorité, la rénovation et la mise en sécurité du bâti qui se poursuit avec l'inauguration de l'escalier nord. Dans quelques semaines, s'ensuivront les travaux des cours et du corps central. Les effets de manche n'affecteront pas la dynamique engagée à tout niveau pour ce site. J'attends que vous fassiez preuve d'un discernement éclairé à la faveur des règles imposées par l'État et de notre partenariat avec la région Grand Est. Je vais vous faire une proposition de date, proposition à l'ensemble des conseillers départementaux, pour une visite complète qui mettra en avant les priorités du site. Par ailleurs, l'inauguration de l'escalier nord aura lieu le 6 avril, lors des Journées européennes des métiers d'art, et vous êtes tous, bien évidemment, invités à découvrir l'ensemble des restaurations de ce superbe ensemble. Je vous remercie. Merci. Nous
nouvelle question, nous poursuivons avec Anthony Caps. Oui, merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, une question sur l'aboutissement du projet de mise à deux fois deux voies de la RN4 avec, et vous le savez bien, des infrastructures routières, notamment celles départementales, qui comptent parmi les axes les plus structurants de nos territoires. Et bien que cette voirie nationale ne relève pas des prérogatives de notre collectivité, alors que la région Grand Est également, à la suite de la loi 3DS, s'apprête à en récupérer la gestion à titre expérimental, l'aboutissement de ces travaux de la RN4 est resté, reste d'ailleurs pour notre département, avec constance, l'un de nos objectifs prioritaires. Elle relie Paris à Strasbourg, elle en est d'ailleurs une des artères principales, surtout pour le Lunévillois, pour les Lunévillois d'ailleurs, où nos concitoyens attendent sa concrétisation, et avec les difficultés que l'on connaît sur le tronçon de 8 km entre Gonier et Saint-Georges, tronçon qui connaît une circulation particulièrement dense, notamment de poids lourds, avec de nombreux accidents d'ailleurs qui y figurent. Pour nécessaire qu'il soit, je voulais également, juste avant de vous poser ma question, Madame la Présidente, vous rappeler que ce projet s'inscrit complètement dans une démarche plus générale, réaffirmée du département de Meurthe-et-Moselle en faveur du développement des mobilités durables, collectives, douces, avec notamment des efforts d'utilisation de matériaux et procédés plus respectueux de l'environnement, avec également un développement du covoiturage, le déploiement de notre plan vélo ou encore du ferroviaire pour lutter contre l'enclavement, comme de la nécessité réaffirmée d'une gare d'interconnexion avant-dière. Madame la Présidente, pouvez-vous nous réaffirmer la position de notre collectivité sur ce projet, nous indiquer les efforts réalisés et l'état d'avancement de cette mise à deux fois deux voies de notre RN4. Des réponses apportées par la vice-présidente Audrey Bardot. Madame la Présidente, mes chers collègues, cher Anthony, bien que la RN4 ne fasse pas partie du réseau routier départemental, comme vous l'avez rappelé, le département de Meurthe-et-Moselle a toujours porté une attention particulière à l'aboutissement de ses travaux, en participant à son financement, en contribuant aux études du projet ou encore en interpellant à plusieurs reprises l'État sur la nécessité de voir la finalisation de la mise à deux fois deux voies de la RN4 figurer au prochain CPER, ce qui est enfin acté depuis décembre 2023 avec la signature du volet mobilité du CPER 2023-2027 et pour lequel l'État a confirmé son engagement financier à hauteur de 50% des 70 millions d'euros nécessaires pour financer les derniers kilomètres du tronçon demeurant à réaliser en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. En parallèle, la région Grand Est s'est portée candidate pour reprendre le réseau routier non concédé, dont la RN4, en conditionnant à la possibilité de déployer l'éco-contribution pour les poids lourds, permettant de générer des recettes venant compléter la compensation financière due par l'État. Ce transfert devrait être effectif au 1er janvier 2025. Ainsi, pour poursuivre notre rôle de facilitateur et afin de ne pas retarder l'engagement des travaux au regard de l'échéance de déploiement de l'éco-contribution pour les poids lourds prévue à horizon 2027, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a proposé à la région Grand Est de préfinancer avec le département de Moselle 20% des travaux. Un choix volontaire du département, bien que non gestionnaire de la RN4, pour permettre une mise en œuvre rapide dans un objectif de sécurité routière et de désenclavement de nos territoires, notamment pour les habitants du Lunévillois, et qui permet de concilier rapidité de réalisation et équité dans le financement des différents projets. En effet, cette infrastructure générera des recettes via l'éco-contribution poids lourds qui doivent logiquement d'abord et avant tout contribuer à son entretien et à sa modernisation. Je vous remercie. Merci Audrey. Nouvelle question d'actualité posée par notre collègue Sylvaine Scaglia. Encore moi. Encore. Bah oui. Dans un tout autre registre. Madame la Présidente, mes chers collègues, l'incendie meurtrier intervenu dans la nuit du 8 au 9 août dernier dans la commune de Winsenheim, causant la mort de 11 personnes, dont 10 en situation de handicap, continue à nous hanter et interroge notre capacité à accueillir décemment et dans le respect de la réglementation des publics fragilisés. En ce sens, je dois vous faire part de la surprise qui était la mienne en prenant la décision de fermeture administrative d'établissement gérée par l'Association pour adultes et jeunes handicapés de Meurthe-et-Moselle, la page 54.
dans la mesure où certains fonctionnaient sans autorisation depuis de nombreuses années. Cette solide institution du milieu associatif, présente dans 93 départements, est désormais menacée de liquidation judiciaire en Meurthe-et-Moselle, hypothéquant l'avenir des personnes qu'elle abritait dans ses structures autant que celui de ses salariés. Si, selon les déclarations du président de la Fédération, aucun enfant n'est à la rue et que tous ont été replacés dans d'autres structures, la condamnation de ces établissements et la fermeture de 4 appartements et maisons qui accueillaient des personnes handicapées lors des week-ends et des vacances scolaires à Vendeuve-les-Nancy, Saint-Nicolas-de-Port et Blamont nous interpellent sur d'autres mauvaises surprises qui pourraient survenir. Dans ce contexte, et considérant notre compétence en matière d'action sociale, il apparaîtrait opportun qu'un audit de l'ensemble des structures œuvrant sur le territoire meurthe-et-mosellan soit conduit afin de sécuriser le parcours de vie des personnes en situation de handicap et d'éviter que tout drame ne se reproduise en raison du non-respect de la réglementation en vigueur. Au-delà du cas particulier de la page 54, je souhaiterais donc connaître, Madame la Présidente, votre position sur le sujet et les actions que le département entend engager afin de garantir un accueil conforme aux attendus fixés. Je vous avais d'ailleurs déjà interpellé sur ce sujet lors de notre session du 25 septembre 2023 en sollicitant un état des lieux précis de l'accessibilité et des contrôles réalisés dans les structures dont nous avons la responsabilité à l'échelle du département, sans retour depuis. Au-delà des éléments de réponse succincts qui, à l'époque, avaient été apportés en séance. Je suis convaincue que la connaissance et le respect des règles par l'ensemble des acteurs participent à la création d'un environnement accessible et respectueux des droits de chacun. En se conformant à ces réglementations, ces structures contribueront à la construction d'une société réelle, solidaire et inclusive à l'égard des personnes porteuses d'un handicap. Alors, j'ai regardé hier soir Zone interdite qui parlait des IME. J'avoue que, on n'en sort pas indemne hein, parce que c'est toujours les mêmes problématiques. Donc voilà, nous leur devons à elles comme à leur famille. Merci. Merci. Je vous propose des éléments de réponse par la première vice-présidente Catherine Boursier. Merci, Madame la Présidente, chers collègues, chère Sylvaine. Alors, puisque votre question s'ouvre sur l'évocation du drame de Winsenheim en août 2023, permettez-moi, et vous y étiez également, de souligner la dignité de l'hommage rendu lundi 18 mars au Parc Sainte-Marie aux victimes meurthe-et-mosellanes de cette tragédie. Hommage à l'initiative de la ville de Nancy et du conseil départemental, ayant associé l'ensemble des maires des communes endeuillées, ainsi que la préfecture de Meurthe-et-Moselle, et bien sûr l'AEIM. Il était important que l'État et les collectivités, dont les victimes étaient les enfants, se tiennent aux côtés des familles. Suite au drame de Winsenheim et afin d'évaluer les risques liés à la sécurité des personnes accueillies, nous avons décidé d'engager une vérification de la sécurité incendie de l'ensemble des locaux à sommeil que le département gère directement, à savoir ceux du réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle, mais également de l'ensemble des établissements autorisés par le conseil départemental qui relèvent d'une classification en ERP, établissement recevant du public. Une démarche facilitée par la création, je vous le rappelle, dès 2022 et dans le cadre de la mise en place en œuvre du projet départemental, d'une mission de contrôle placée auprès de la direction générale adjointe des solidarités avec des moyens renforcés. Elle nous a permis de développer sensiblement les contrôles des établissements relevant de la tutelle départementale ou d'une tutelle conjointe de l'ARS, voire de la préfecture. On était là dans le suivi des conséquences, notamment du scandale, vous en souvenez, du scandale Orpea. Depuis septembre 2023, déjà 2 contrôles ont été menés dans des établissements de protection de l'enfance, 3 dans des établissements et services pour personnes âgées et 1 dans un établissement pour personnes en situation de handicap. Alors, cela peut sembler peu, mais c'est aussi un travail important et qui nécessite notamment la transmission par la préfecture d'un certain nombre de données, notamment les rapports des commissions de sécurité.
Et ça, nous les avons eus en fin d'année. Donc, nous allons nous attacher pour la suite, pour l'année qui vient, et c'est déjà en cours, à faire les vérifications déjà sur la base de l'ensemble de ces PV de sécurité. À la suite de chacun de ces contrôles, des injonctions ou préconisations ont été adressées aux établissements. Certaines de ces injonctions concernent en particulier la sécurité des usagers et elles ont été prises de manière immédiate. S'agissant plus précisément de la page 54, sa situation nous préoccupe depuis plusieurs mois, notamment suite à l'arrêté de fermeture pris par la préfecture de la Meuse en novembre 2023, qui faisait suite à des constats de non-conformité pour l'un de ces sites. Sur la base du même constat, les trois autres sites de la page 54 dans ce département ont été fermés en décembre 2023. Cette décision a d'ailleurs eu des conséquences sur le fonctionnement de l'association, avec la désignation d'un directeur de transition par la Fédération nationale APAGE, changement qui a d'ailleurs facilité largement la gestion de la situation meurthe-et-mosellane. Comme vous le savez, cher Sylvaine, les sites meusiens ne bénéficiaient pas d'une autorisation de la part du Conseil départemental de la Meuse. En Meurthe-et-Moselle, le développement rapide de l'offre de la page 54 dans nos territoires explique pour partie pourquoi ces structures ne bénéficiaient pas davantage d'une telle autorisation. En effet, les lieux d'accueil de la page ont connu de profondes évolutions ces deux dernières années, à la fois en nombre d'enfants accueillis, mais en termes de modalités d'accompagnement, avec notamment l'évolution d'une offre d'accueil qui, d'initialement séquentielle, est devenue largement permanente. C'est par conséquent progressivement que ces nouveaux besoins d'autorisation sont apparus. Alors, bien entendu, cette situation n'était pas pour autant satisfaisante et c'est pourquoi notre présidente a exigé dès novembre 2023 un état exhaustif des établissements autorisés en Meurthe-et-Moselle et une régularisation de toute structure ne bénéficiant pas d'une autorisation adaptée aux modalités d'accompagnement proposées. Aujourd'hui, la plupart des sites de la page 54 en Meurthe-et-Moselle ont fermé à l'initiative de la Fédération nationale APAGE et suite à la mise en œuvre de contrôles menés à l'appui de visites de sécurité ou de conformité. Le site de Blamont a par contre été maintenu. Il bénéficie en effet d'une autorisation depuis décembre 2023. Comme vous l'indiquez, la page fait l'objet actuellement d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre de laquelle des repreneurs pourraient ou pourront se manifester. Alors, la fermeture sans délai des sites non conformes ayant été décidée le 19 janvier 2024, il a fallu assurer la continuité de prise en charge des 47 enfants et jeunes adultes concernés, dont 39 ressortissants meurthe-et-mosellans, et garantir leur réorientation dans les meilleures conditions. C'est un travail qui a été mené conjointement entre la direction de l'ASE et la direction de l'autonomie et en lien avec notre collègue Marie-Josée et moi. Donc une cellule de crise a été créée immédiatement pour assurer cette mission délicate, réalisée, je tiens à le souligner, avec un appui d'une grande efficacité de l'AEM et un partenariat fructueux avec notamment l'ARS, l'ADETS et la MDPH. Nous pouvons effectivement nous féliciter que tous les jeunes aient été replacés dans d'autres structures, mais aussi et surtout sans rupture de prise en charge, et de surcroît très rapidement, c'est-à-dire en moins d'un mois, grâce à l'engagement et à la souplesse de nos partenaires du médico-social, que sont l'AEM, l'OHS et JB Thierry. Votre question d'actualité m'offre d'ailleurs l'occasion, nous offre l'occasion, de les saluer et de leur rendre hommage ainsi qu'à nos services. Je vous remercie de votre attention. Merci pour ces éléments de réponse très développés, chère Catherine. Eh bien, nous poursuivons l'examen des questions d'actualité. Catherine Crière.
Merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. Le 6 février dernier, dans la presse quotidienne régionale, titrait « Grand âge, plus de 2 millions de logements sont à adapter ». Cette réalité ne peut plus être ignorée, alors que dans les prochaines années, le nombre de nos aînés atteindra un niveau jamais vu, en particulier parmi ceux issus du baby-boom et dont l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Actuellement, 6% de la population a plus de 80 ans, soit 4,1 millions de personnes. Il est évident que nous ne pourrons pas tous les accueillir dans des établissements spécialisés, qu'ils en aient les moyens ou non. Certains choisiront, s'ils le peuvent, de rejoindre ces établissements, tandis que d'autres resteront chez eux, nécessitant des adaptations pour faciliter leur vie quotidienne. Heureusement, des aides existent. Des organismes comme l'ANA accompagnent les personnes éligibles à ces dispositifs. Dans le cadre de la prise de compétence aide à la pierre et de la mise en œuvre du schéma départemental de l'habitat 2022-2028, je souhaiterais vous interroger, Madame la Présidente, sur les dispositifs d'accompagnement mis en place par le Conseil départemental, notamment pour l'adaptation de logements au vieillissement et à la perte progressive d'autonomie des seniors en Meurthe-et-Moselle. De plus, quel premier bilan pouvons-nous dresser de la mise en place de l'Observatoire de l'Habitat ? Je vous remercie par avance des réponses que vous pourrez m'apporter. Merci, notre vice-présidente Michèle Pilot, qui est la délégation spécifique de l'Habitat et du Logement, va vous répondre. Merci, présidente, mes chers collègues, Catherine. Je voudrais, avant de répondre précisément à votre question sur les dispositifs d'accompagnement pour l'adaptation des logements au vieillissement mis en place par le département, rappeler que ces aides s'inscrivent dans la diversité des réponses au bien vieillir sur nos territoires. La première consiste à accompagner l'aspiration au maintien dans son domicile. C'est non seulement la demande de la plupart de nos concitoyennes et concitoyens, mais c'est aussi la réalité pour l'immense majorité d'entre elles et d'entre eux. En effet, 90% des plus de 80 ans vivent chez eux. La Meurthe-et-Moselle compte aujourd'hui 187 000 habitants de plus de 60 ans, soit un quart de la population, et parmi elles, près de 67 000 personnes âgées de plus de 75 ans, soit plus de 9% de la population totale. Demain, en 2050, les plus de 75 ans représenteront près de 13% de la population meurthe-et-mosellane, avec une progression plus sensible encore des plus de 80 ans, en raison de l'allongement de l'espérance de vie. Dans ce contexte de transition démographique, le grand défi qui est lancé aux acteurs du grand âge, que ce soit l'État, les collectivités locales, mais aussi les organismes d'accompagnement, cette transition et ce grand défi sont la construction d'une société de la longévité. La question de l'habitat y tient évidemment une place centrale. En complément des adaptations de leur logement, souvent définies dans le cadre des plans d'aide à la perte d'autonomie par nos services départementaux de l'autonomie, avec le concours d'ergothérapeutes, les personnes âgées doivent pouvoir compter sur les services à domicile robustes et que nous soutenons. De même, habiter chez soi lorsqu'on est âgé passe souvent par la mobilisation de sa famille. La prise en compte des besoins proches aidants est donc essentielle à une société de la longévité et du bien vieillir. Nous estimons à plus de 100 000 le nombre d'aidants en Meurthe-et-Moselle. Leur engagement est déterminant pour la personne âgée car c'est une proximité affective absolument irremplaçable. C'est dans ce contexte que se déploie notre politique d'adaptation des logements au travers des schémas départementaux de l'autonomie et de l'habitat. Cela se traduit par un certain nombre d'actions que je vais me permettre de vous donner. Déjà, pour commencer, le versement d'aide à l'adaptation des logements de la perte d'autonomie à travers les aides déléguées et de l'abonnement de 350 euros par logement sur fonds propres. Et depuis 2017, ce sont près de 1 700 ménages qui ont été aidés. L'information, la sensibilisation des entreprises locales à la prise en charge et à la réalisation des travaux chez les personnes âgées à travers la démarche bien vieillir à domicile, en lien avec la FEDE du BTP et la CAPEB, avec des matinales autonomie
organisées régulièrement sur les territoires. Également la création et le déploiement des résidences accompagnées avec MMH et une association gestionnaire pour produire du logement locatif social adapté aux personnes en perte d'autonomie. Il existe à ce jour trois résidences accompagnées, une à Villerue, Ciré-sur-Vezouze et Fougues. Le soutien également à l'adaptation ou à la production de logements locatifs dans le parc social à travers les fonds propres du département. Et à titre d'exemple, le département soutient la réhabilitation des logements à Toul à hauteur de 100 000 euros. Et près de 30% de nouveaux agréments pour la production d'une nouvelle offre locale sociale concerne des logements adaptés. Encore, la participation à des projets innovants tels que Senior Actif avec les partenaires de la Grande Région ou encore la démarche partenariale avec l'École d'architecture de Nancy autour du thème « Habiter et vieillir » à travers le prisme de l'architecture. Concernant l'Observatoire de l'Habitat, ce dernier constitue un des outils à mettre en place dans le cadre du schéma départemental de l'Habitat, qui est toujours l'Observatoire, qui est toujours en cours d'élaboration, et je ne manquerai pas de vous faire part de son bilan dès sa mise en place. Enfin, nous profiterons de la réunion des maires le 2 avril pour organiser, Catherine Boursier et moi-même, un colloque autour de l'habitat et vieillir en milieu rural, à l'intention des maires et pour lesquels, bien sûr, mes chers collègues, je vous invite toutes et tous à y participer. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais répondre à notre collègue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, colloque qui est organisé donc, dans le cadre de la réunion des maires à 15h30, le 2 avril. Question d'actualité posée par notre collègue André Corzani. Merci, Présidente. La question porte sur notre relation au Luxembourg. Vous savez, l'histoire très riche des initiatives, actions, combats qui ont été développés par le groupe Front de Gauche et Républicain sur cette question qui, aujourd'hui, ne cesse de prendre une dimension forte et qui vient impacter très directement le quotidien de nos collectivités et des populations du Nord-Lorrain. D'autant plus que nous assistons à une paupérisation accélérée des communes de l'ensemble de ce secteur et en même temps une tension palpable sur le marché du travail. Nombre de collectivités, d'établissements souffrent évidemment de l'attractivité renforcée du Luxembourg. Je veux, en soulignant le rôle de notre groupe dans l'ensemble de cette démarche, souligner et me réjouir du fait que ce combat que nous menons depuis plus longtemps vient aussi trouver un écho de plus en plus fort, que ce soit évidemment au sein de notre majorité, je m'en réjouis sincèrement, mais aussi au sein de l'Assemblée. J'ai à l'esprit les déclarations, les motions, les rapports qui ont été ici présentés et qui ont été largement adoptés. Je pense qu'il y a maintenant une nécessité de dépasser des seuils, de dépasser ce stade pour faire que cette mobilisation puisse se traduire de manière concrète. Il y a quelques semaines, au nom de notre groupe, j'envoyais un courrier au ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, en décembre dernier, interpellant sur l'indemnité dont il se flattait de résidence des fonctionnaires frontaliers qui s'inscrit évidemment dans ce cheminement d'action et d'initiative prise. Vous vous souvenez, cette indemnité ayant été versée à l'ensemble des fonctionnaires du territoire proche du Genevois. Dans le prolongement de cette démarche, je souhaite savoir, Madame la Présidente, quelles mesures concrètes le département envisageait d'entreprendre ou envisage de mettre en œuvre pour solliciter une extension de cette indemnité. Et évidemment, je rappelle que cette indemnité concerne l'ensemble des fonctions publiques, qu'elles soient d'État, fonction publique hospitalière ou fonction publique territoriale. À cet égard,
je salue le fait que le conseil de surveillance du CHR Metz-Thionville soit sur cette ligne et pose cette même exigence, comme c'est le cas d'autres établissements. En tout état de cause, la similitude est tellement frappante entre les territoires proches du Luxembourg et les territoires proches du Genevois qu'il n'y a absolument aucun obstacle, aucune raison d'envisager qu'il y ait disparité de traitement. Je tiens par ailleurs à saluer la création d'un collectif d'élus lorrains regroupant des sensibilités politiques diverses et initié notamment par les parlementaires insoumises lorraines, dont notre camarade Caroline Fiat. Ce collectif revendique la signature d'une convention de redistribution avec le Luxembourg, mettant en avant le constat que la richesse produite par les travailleurs frontaliers ne bénéficie pas de manière adéquate à la France. Dans le prolongement d'un combat entamé il y a plus de 20 ans, pourriez-vous nous éclairer sur la manière dont le département de Meurthe-et-Moselle envisage de s'inscrire dans cette nouvelle page de mobilisation? Quelles initiatives spécifiques sont envisagées afin de soutenir cette démarche et de favoriser une meilleure redistribution des bénéfices générés par les travailleurs frontaliers? Madame la Présidente, l'élargissement du pôle métropolitain frontalier à l'ensemble de l'arrondissement de Briey serait un signe positif sur ce chemin. Par ailleurs, je veux aussi rappeler que Madame le Préfet, qui a créé des groupes de travail portant sur cet aspect, n'a pas inclus encore dans cette démarche le territoire de Briey. Je trouve que cela est particulièrement préjudiciable à l'organisation et évidemment à la poursuite et à l'aboutissement des réflexions en cours. Je vous remercie. Merci. Je propose à notre collègue vice-président Vincent Amen de vous répondre. Merci Madame la Présidente, cher André. Alors oui, tu le rappelais, effectivement, depuis 1998, le département de Meurthe-et-Moselle agit pour trouver des solutions concrètes aux problématiques causées par les inéquités de développement entre la France et Luxembourg, que subissent en premier lieu les communes du nord du département, mais qui impactent l'ensemble du territoire meurthe-et-mosellan. Alors je l'avais déjà rappelé lors d'une précédente question, le sujet a pris une place grandissante au sein des travaux de l'Assemblée départementale par l'élaboration et l'adoption de deux rapports, un en 2017 et un en 2019, mais aussi plus récemment à l'initiative effectivement du groupe Front de Gauche de l'organisation d'un colloque franco-luxembourgeois à Villerue au printemps dernier. Et nous sommes donc pleinement mobilisés pour un développement plus équilibré de nos territoires à la frontière franco-luxembourgeoise. Et c'est d'ailleurs à ce titre, dans les responsabilités qui sont les siennes, que le département plaide sans relâche pour la finalisation de la liaison A30 Belleval, puisqu'on voit l'évolution du trafic, on a aussi une projection et on sait qu'à l'horizon 2030, ce seront 10 000 véhicules jour qui prendront cet axe, et notamment à travers la petite commune de Tiercelet, sur le canton des collègues Annie et Bruno, qui va se retrouver fortement impactée par ces problèmes-là. Et il est incompréhensible que malgré le principe d'un achèvement des projets routiers engagés, retenus par le gouvernement, l'État ne soit pas en rendez-vous du tour de table permettant de réunir les 13 millions d'euros encore nécessaires pour faire aboutir ce projet. Donc le constat, tu le rappelais, on le partage tous au sein de cette Assemblée, il est celui d'un déséquilibre qui s'accentue d'année en année. Et aujourd'hui, de nombreux élus locaux de droite comme de gauche constatent en effet un reste à charge de plus en plus élevé pour le maintien des services publics communaux ou intercommunaux qui profitent aussi aux citoyens qui travaillent et payent des impôts de l'autre côté de la frontière. Et ce reste à charge, ce sont les contribuables locaux qui ont souvent d'ailleurs les revenus les plus faibles du territoire qui en payent la facture. Et tu as raison, André, de souligner que ce débat prend de plus en plus d'ampleur, de colloques en pétition, de lettres ouvertes en réunion de conférences intergouvernementales. Car il ne faut pas oublier que c'est de ça dont on parle, en fait. Ce sont des négociations entre États et on assiste à un manque manifeste de volontarisme de la part du gouvernement français que nous devons continuer à dénoncer ensemble. La coopération franco-luxembourgeoise est depuis trop longtemps le parent pauvre des relations transfrontalières et nous devons montrer notre unité sur l'importance du fait frontalier sur notre territoire.
Et tu le rappelais, André, en ce sens, la démarche impulsée par Madame le Préfet de Meurthe-et-Moselle est la bienvenue. La démarche, c'est de mettre ensemble autour de la table les élus concernés afin de faire émerger une vision partagée sur les projets européens et de co-développement en cours d'instruction sur le territoire départemental, mais également d'aller vers un plaidoyer collectif. Et c'est pour ça que nous avançons aussi sur l'élaboration d'une ligne politique commune. C'est nécessaire. C'est nécessaire vu l'ampleur que prend le débat et l'attente de nos concitoyens en termes de services publics. Il nous faut aussi continuer à agir au quotidien pour le développement de solutions concrètes, pour plus d'équité territoriale et pour offrir des solutions aux dizaines de milliers de frontaliers qui traversent chaque jour la frontière, mais également aux habitants et travailleurs en France qui subissent les conséquences du modèle de développement de notre voisin, comme augmentation du coût de la vie, cherté du foncier ou encore augmentation des temps de trajet. Et en ce sens, la présidente du département a interpellé aussi le ministre de la Transformation et de la Fonction publique afin de mettre en œuvre une indemnité de résidence au bénéfice des fonctionnaires frontaliers, comme c'est le cas à la frontière franco-suisse. Malheureusement, cette interpellation demeure à ce jour encore sans réponse. Et on ne peut pas s'en satisfaire. Ça illustre ce que tu disais. L'inéquité de traitement entre l'espace transfrontalier franco-luxembourgeois et l'espace franco-suisse. C'est incompréhensible et injustifiable. Et donc, nous continuerons à agir au service de la cohésion sociale et territoriale de la Meurthe-et-Moselle avec la conviction qu'il nous faut d'abord être unis pour parvenir à obtenir ensemble que le Luxembourg prenne sa juste part à la résorption de fractures dont son modèle de développement est à l'origine. Je vous remercie. Merci Vincent. Nous arrivons aux dernières questions. Une question posée par notre collègue Michel Marchal. Madame la Présidente, à la session de novembre, votre majorité à grand renfort de communication a validé la mise en place d'un revenu d'émancipation jeune. 500 euros mensuels pour des personnes de 16 à 25 ans, sans contrepartie, à partir du premier semestre 2024. Cette aide financière est donc maintenant accessible, selon des critères sociaux, à des jeunes ayant peu ou pas de revenus et n'étant pas éligibles à d'autres aides. Cette indemnité sera versée sur une période de 6 mois, renouvelable une fois. Selon le rapport soumis au vote de l'Assemblée, environ 300 jeunes pourraient bénéficier de ce dispositif. Cette expérimentation pourrait durer 3 ans. Si je me réfère au terme du rapport, le premier semestre devait être le temps de la concertation. 4 mois se sont donc écoulés depuis le vote du dispositif. Alors, où en êtes-vous? Quelle méthode utilisez-vous pour identifier les bénéficiaires et faire en sorte qu'aucun jeune ne soit oublié? Et avec quels partenaires? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quand seront versées les premières allocations? Comment pouvons-nous être sûrs que les territoires soient traités équitablement? Lors de la présentation du rapport, vous aviez évoqué un soutien financier de l'État. Qu'en est-il? Madame la Présidente, pour une parfaite lisibilité, pouvez-vous très régulièrement nous faire une communication objective sur cette nouvelle politique publique? Notre collègue rapporteur de ce dossier avait qualifié cette mesure de coup de tonnerre social. Le tsunami est-il là? Madame la Présidente, je vous remercie pour les réponses apportées. Merci. Des réponses vous sont apportées par notre collègue qui a justement spécifiquement la responsabilité du revenu d'émancipation, Lionel Adam. Merci Présidente, merci chers collègues pour votre question. L'émancipation de la jeunesse est un investissement prioritaire afin d'offrir à toutes et tous la possibilité de faire des choix éclairés. Favoriser cette émancipation implique d'agir sur tous les leviers permettant aux jeunes d'être les acteurs de leur parcours, de subvenir à leurs besoins et de se réaliser en tant qu'individus. Dans le projet départemental 2022-2028, nous avons effectivement fait le choix politique fort de nous engager en faveur de la création d'un revenu d'émancipation jeune. Cet accompagnement et appui de 500 euros mensuels pendant 12 mois maximum doit permettre aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité de pouvoir se projeter, de faire face aux obstacles financiers qui jalonnent les premières années de leur vie d'adulte. Les premiers éléments, ils vous ont été présentés lors de la session du mois de novembre dernier. Nous avions alors pris des engagements. Celui
d'un accompagnement accessible aux jeunes les plus précaires, issus de tout le territoire départemental, et celui d'une méthode de mise en œuvre adaptée. Cher Michel Marchal, pour vivre et grandir, une innovation sociale d'une telle ampleur a besoin d'un engagement politique fort, je l'ai rappelé, mais elle a également besoin de temps, d'écoute, de rencontres, de minutie, d'attention, de cohérence. On ne bâtit pas un abri en commençant par la toiture. Nous construisons ce pouvoir d'agir pas à pas, avec tous les acteurs concernés, grâce à l'enthousiasme des agents que je tiens à remercier, afin que celui-ci soit équilibré et juste et qu'il réponde au mieux aux besoins des jeunes en difficulté. Un poste de chef de projet a été créé pour suivre ce dossier et le poste sera occupé à partir du 2 avril, c'est demain. Je tiens à souligner que nous avions reçu de nombreuses candidatures de qualité, ce qui montre bien que le revenu d'émancipation jeune intéresse bien au-delà de cet hémicycle. Nous élaborons actuellement le règlement d'intervention que nous présenterons en Assemblée départementale. Cette étape, nous l'atteindrons en concertation la plus large possible avec tous les acteurs, tous les partenaires du département en matière de politique jeunesse et de lutte contre la précarité, les fédérations d'éducation populaire, les centres sociaux, les missions locales, mais également avec nos services en interne. Le maillage territorial de ces acteurs favorisera, garantira l'égalité d'accès de toutes et tous à ce droit nouveau, soyez-en assurés. Une réunion de concertation réunissant plus de 100 acteurs aura lieu fin mai au Conseil départemental. Ce revenu d'émancipation jeune est d'ores et déjà très attendu, en particulier par les acteurs de la jeunesse. L'État est pleinement associé à cette démarche et il est d'ores et déjà convenu qu'il sera associé en tant qu'observateur afin notamment de veiller à la meilleure articulation des interventions de chacun. La session de septembre verra l'aboutissement de ce travail et le lancement opérationnel du revenu d'émancipation jeune comme nous nous y étions engagés. Nous pourrons alors verser les premières aides au second semestre 2024 comme prévu initialement. La transparence est et restera totale tout simplement parce qu'elle est indispensable. Cher Michel, nous vous avions quitté sur ce sujet plein de doutes et de questionnements. Je vous retrouve aujourd'hui plus qu'intéressé, presque impatient. Comme je vous comprends, car le seul raz-de-marée constaté, c'est celui de la précarité, de la pauvreté, de la fragilité qui frappe et engloutit presque toutes les catégories sociales et toutes les tranches d'âge, et en particulier les jeunes auxquels s'adresse ce revenu d'émancipation jeune qui prendra naturellement sa place dans la chaîne de solidarité départementale. Je vous remercie. Bravo, merci Lionel. J'aurais pas fait mieux. Restez assis. Hein, eh bien, dernière question, notre cher collègue Jean Loctin. Madame la Présidente, mes chers collègues, chaque année, alors que nous œuvrons avec détermination à construire l'avenir de nos enfants en favorisant les conditions de leur épanouissement éducatif, chaque année, hélas, nous sommes confrontés, en guise de vœux de l'éducation nationale, à des fermetures de classes, là où elles demeurent particulièrement utiles en milieu rural, là où la densité démographique sert de prétexte aux décisions les plus absurdes. Les fermetures de classe, c'est la première marche de l'échafaud dont la sentence conduit invariablement à la fermeture définitive de l'école, ravissant les statisticiens dont le chiffre est l'alpha et l'oméga. Les enfants sont dans un premier temps répartis en classes de plusieurs niveaux avec des effectifs encore plus importants que les moyennes dont se réjouit encore dernièrement le rectorat. Pensez donc. 21,3 élèves en moyenne cette année contre 22,9 il y a 6 ans. La belle affaire. À Rogerville, charmant village de la petite Suisse Lorraine, dont les parents ne s'en laissent pas compter, ce sera désormais 28,5 enfants par classe. Fermer des classes avec si peu de considération, c'est favoriser la dégradation de l'enseignement, la dégradation de l'école et la réduction des activités scolaires et sorties pédagogiques. Rogerville n'est pas la seule commune dans ce cas,
même si j'ai la faiblesse de ne retenir que celle-ci à titre d'exemple. J'aurais pu citer Blénaud les Pont-à-Mousson, Conflans, Jeuf, Neuf-Maisons, Vendeuve et bien d'autres parmi les 54 postes qui seront supprimés, qui sont supprimés. Madame la Présidente, ce combat est injuste parce qu'il pénalise à sens unique et à double sens. D'une part, nos efforts ne sont pas reconnus à la hauteur de notre engagement, ceux auprès des élus et des familles pour les aider à faire de leur école des lieux où les enfants sont instruits, s'épanouissent et découvrent le collectif. D'autre part, c'est avec des deniers publics que nous, élus du département, finançons avec leurs impôts les écoles à construire, à rénover, à équiper, tout ça pour aboutir à un gâchis d'argent public, 250 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, au titre de l'appui au territoire. Madame la Présidente, puissiez-vous exiger, et je pèse mes mots, de l'éducation nationale, parce qu'on parle d'égal à égal en la matière, vu les moyens que nous y consacrons, exiger une concertation permanente et la production des effectifs scolaires sur plusieurs années, bien avant les annonces, et bien avant les sentences qui tombent comme à Gravelotte en juin, sans même prendre en compte, au passage, le vote négatif des élus qui siègent au CDEN, c'est inadmissible. Dès lors, nous pourrions discuter du financement des infrastructures scolaires de nos communes et syndicats et être ainsi plus efficients dans l'intérêt des élus communaux et leurs concitoyens. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, cher collègue, cher Jean. Merci pour ta question qui marque en tout cas sur ce sujet notre convergence au-delà de nos sensibilités politiques. Je le rappelle, le 5 février 2004, à l'occasion du dernier CDEN, la suppression de 54 nouveaux postes de professeurs des écoles a été annoncée pour la rentrée prochaine. Ni l'opposition unanime des membres du CDEN, dont les élus du département présents, ni le refus motivé de siéger de certaines organisations syndicales, c'est-à-dire celles et ceux qui sont directement impactés par la décision, n'ont été prises en compte. À la suite de cette réunion, à l'initiative du département, un large appel en faveur du service public de l'éducation, signé par les trois présidentes. Présidente de l'Association des maires de Meurthe-et-Moselle, Rose-Marie Falk, l'Association des maires ruraux de Meurthe-et-Moselle, Florence Picard, et par moi-même en tant que présidente du conseil départemental, a été lancée. Cet appel a d'ailleurs été soutenu, et je l'en remercie sincèrement, par une grande partie des communes impactées par l'adoption de motions au sein des conseils municipaux. Nous y dénonçons, tu l'as rappelé, cher Jean, la véritable hémorragie de fermeture de classes qui se profile, davantage subie d'ailleurs que d'autres départements pourtant plus frappés par le déclin démographique. Ces fermetures se traduiront inévitablement par, vous le savez, tu l'as dit, une augmentation du nombre d'élèves par classe, tandis que les statistiques montrent que la France est le pays de l'Union européenne dont les effectifs sont les plus lourds, avec 22 élèves par classe en moyenne, et que les classements internationaux montrent la dégradation de notre service éducatif qui se suivent et se ressemblent d'année en année. Et vous le savez, tu le sais, ce sont les élèves des familles les plus modestes, les familles des territoires les plus fragiles qui subissent les conséquences néfastes de ces décisions. Alors oui, nous appelons l'ensemble des communautés éducatives, des parents d'élèves et des élus locaux à une mobilisation collective pour un moratoire sur toute suppression de postes futurs. Nous demandons à l'éducation nationale d'ouvrir sans délai une large concertation avec les différents acteurs concernés parce que nous pensons que l'éducation de nos enfants mérite mieux et devrait être placée
au centre des préoccupations. Nous ne pouvons pas nous résigner à subir chaque année des décisions unilatérales et verticales. D'ailleurs, certains maires m'ont dit qu'ils apprenaient plus clairement les suppressions de postes alors qu'avait été donnée une forme d'illustration et de motivation sur la baisse et le déclin démographique sans en préciser plus clairement les conséquences sur leur commune ou sur leur territoire. Alors, vous avez raison, lorsque l'État ferme un établissement dans lequel les collectivités locales ont beaucoup investi, parfois même complètement rénové, cela va à l'encontre du bon sens. Lorsque l'État ne tient pas compte des stratégies de maillage mises en œuvre par les communes et les communautés de communes, cela va effectivement à l'encontre du bon sens. Nous ne méconnaissons pas, ça a été rappelé, la baisse de la démographie, mais nous disons justement qu'elle pourrait servir d'opportunité pour réaliser la promesse républicaine des qualités, des chances et d'émancipation, justement en réduisant le nombre d'enfants par classe et en réduisant les inégalités scolaires, et cela dans une stratégie de long terme concertée avec l'ensemble des partenaires de la communauté éducative et des collectivités. Vous le savez, la reproduction sociale caractérise en effet encore trop souvent notre système éducatif. C'est pour cette raison d'ailleurs que le département a fait de l'éducation et de la jeunesse une priorité de son projet départemental. Alors nous appelons à travailler de manière concertée pour la création de filières d'excellence au sein des établissements situés dans nos quartiers populaires comme dans la ruralité, afin de donner à chacune et chacun les mêmes chances de réussite et d'émancipation. Nous proposerons en ce sens une motion ce mercredi en session, et je ne doute pas, au vu de votre question, cher Jean, qu'elle fera l'unanimité au sein de notre conseil. Je vous remercie. Nous en avons terminé par les questions d'actualité. Nous poursuivons la suite de cette session ce mercredi 27 mars à 9h30. Je vous rappelle également notre traditionnel repas italien proposé par le groupe Front de Gauche et Républicain, qui sera organisé à cette occasion en présence de Madame Antonella Fontana, consul général d'Italie à Metz, et de Monsieur, c'est un habitué, Salvatore Tabone, conseiller général des Italiens à l'étranger. Les commissions thématiques se dérouleront, vous le savez, cet après-midi à 14h, en tout cas à l'horaire traditionnel, pour permettre l'examen des rapports de session. Je le rappelle, donc deux motions seront examinées. La première relative aux fermetures de classes en commission jeunesse, éducation et culture. L'autre en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, motion qui, elle, sera examinée en commission développement et attractivité. La séance est levée. Je vous remercie, chers collègues.